Ah, il est en mode freestyle, lui. Il se décale sur les voies, il regarde pas où il va. Feu rouge. Piéton. On est bon, là. Je crois qu'on a tout. Qu'est-ce qu'on a oublié? Elles sont belles, hein. Elles sont belles quand même. Franchement. Mais elles sont un peu grosses. Un peu comme ma bite. Et oui, ils sont bloqués en interfil, les loulous. D'accord. J'ai freiné pour trois raisons. Un, parce que j'allais pas très vite. Deux, parce qu'il y avait personne derrière moi. En tout cas, derrière moi, à gauche, il y avait une voiture, mais elle s'est arrêtée. Et troisièmement, bah parce que ça passe au rouge. Ah. Je croyais qu'elle voulait y aller, madame. Ah, ils sont tellement flippants, sans déconner. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. D'accord. Côte à côte, feu rouge. Petit feu rouge, téléphone. Mais. Ouais, c'est beau! C'est beau! C'est olympien! Elle va s'envoler avec la jupe, ça. Ça fait un ballon. Tous ceux qui regardent leur rétroviseur, là, ils doivent voir sa culotte. Pas de visu à cause du bus et du véhicule. Allez, va tranquillou, tranquillou pilou. Mais il y a un feu rouge vélo là. Là, il est là, il est présent, frérot. Il est là. Il est là. Alors, je te laisse passer parce que je vais pas te rentrer dedans. Mais bon, c'est pas très cool. Là aussi ? Oh ouais, d'accord. Hey, attention, attention ! Oh, ça s'excite là pour rien et ça regarde pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Trop nul les gars. Les couilles les gars là, oh ça suffit hein. Ah bah il y a mon rétro qui lui a touché la main, heureusement que j'ai freiné. Il s'est fait mal pour rien le gars. Il a dû se prendre une petite claquos dans les mains sur la main gauche. Je sais pas ce qu'il faisait, je pensais, il devait argumenter avec un autre gars dans une autre voiture à côté. Voilà, voilà. Là, j'ai rien pu faire pour l'éviter là, c'est trop tard.
Bah ça va, hein, c'était très très léger. J'essaierai de vous mettre le ralenti, si on le voit à la caméra, mais c'était méga léger quoi. Alors lui, d'accord, carrément. Bah bien sûr. Bah oui, bah non, bah attends. Bah oui, c'est normal. Il est sympa le bruit de la ligne là. Ah. Oui, il est sympa. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, ça envoie des pétarades. Je suis derrière. Non, 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 non. C'est une vieille, elle est de 2014, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, elle est de 2014. Ouais, il y avait à l'époque, ils faisaient pas trop ça sur les monsters. Ouais. 2018, 2020, ouais. Ouais. Mais elle est très bien, elle fait le taf pour Paris, c'est parfait. Ouais, ça chauffe un peu, j'avoue. Salut! Nous sommes dans le cœur du 18e arrondissement. Direction la basilique. On voit quand c'est beau. Ah, ici on est vraiment. Dans un quartier où il y a énormément de beaux bâtiments haussmanniens. Un peu comme dans le 17e, hein, cette période. Ces bâtiments ont été construits à peu près à la même période. Et nous voici au cœur d'Emily in Paris. Et au cœur du Sacré-Cœur. Waouh! Quelle posture! Je crois franchement c'est un métier que j'aurais pu faire ça, être à cheval. Ah, t'es sur dans Paris, la plus belle vue du monde. En plus t'es à cheval, posé. Wow. Ok. Voilà. Scooter a dû briller un petit feu rouge. Ok. Tout le monde s'arrête là. Ça, c'est normal, hein. Là, vraiment. Regardez-moi cette magnifique place de l'Odéon, avec le théâtre de l'Odéon qui est juste là. C'est très très beau ici. On est vraiment dans le cœur de Paris. Le quartier latin. C'est superbe. Tiens, cette avenue, elle est restée à 50. Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ah, faudra qu'on m'explique. Ah, parce que peut-être que... Ouais, mais il y a plein d'avenues où il y a une voie dédiée au vélo maintenant. Qu'elles sont toutes restées à 30, hein, donc... Explication. Celle-ci, ils ont décidé, ce boulevard, ils se sont dit, tiens, celui-là, on va le laisser à 50. Les autres, on va les laisser à 30. C'est un petit peu au bonheur la chance, hein, cette histoire. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est bien, enfin pour Paris, en vrai. En vrai, c'est mieux, c'est plus logique. Tu consommes moins. Ah, t'as découvert le monde de la moto, d'accord. Je comprends. C'est gentil, merci.